Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots comment est né ce projet de menu des gastronomades à l'école? Ça a été mis en place depuis quelques années, que tous les ans, au moins, il y a un menu, on va dire, un petit peu plus travaillé, malgré que je trouve que ça travaille très très dur. Beaucoup de produits bio, ils sont déjà en avance sur ce qu'il y a à faire en ce moment, surtout le traitement des déchets, tout ça, limiter la perte. Et surtout, j'étais impressionné par la qualité des produits, les assaisonnements et tout ça. Donc je suis très content d'être allé dans cette école, voir tout le travail qui a été fourni, que ce soit par l'ensemble des cuisiniers ou des personnes qui aident en salle. Donc, et après, le menu se fait aussi en fonction des attentes de leurs élèves et aussi en fonction de la saisonnalité. Donc le menu d'aujourd'hui. Donc le menu d'aujourd'hui, on est parti sur un velouté de maïs avec des petits pop-corn fumés. Après, un joli filet mignon de veau en bio. Butternut et patate douce avec une petite crème de shiitake. Donc tout ça, on peut le trouver en local et bien sûr cette saison. Et en bio, ça m'a vraiment impressionné. Et après, on dessert un joli sablé breton, une belle mousse au chocolat et une belle poire rôtie. Donc voilà, c'est le menu d'aujourd'hui. On est en plein dans la saison. Donc c'est pas mal. Ouais, noix, amande torréfiée, noisette. Donc, voilà. Pour un repas de cantine, c'est un beau menu. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Alors, c'est un beau menu, effectivement, mais c'est vrai que c'est le genre de produit, du butternut qu'on fait régulièrement. Le velouté de maïs, on n'avait pas fait le maïs, mais le velouté, on en a toutes les semaines, bio et local. Donc, c'est un chouette menu. Peut-être un petit peu plus sur le dessert. C'est pas toutes les semaines qu'on va monter une petite tartelette individuelle pour chaque enfant, malgré que les desserts maison sont très très régulièrement. Alors, est-ce que tu peux me raconter, qu'est-ce que tu as mangé? Oui. Et en entrée, qu'est-ce que tu as mangé? Et est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que tu as préféré? Et ton dessert, est-ce que tu le trouves bon? Et est-ce que vous savez que c'est ce monsieur-là qui vous a fait à manger? C'est ce monsieur-là qui vous a fait à manger?